tous, aujourd'hui je vous présente trois modes spéciales pour Halloween que j'ai choisi. Alors tout d'abord le mode Halloween par Bronzo 2323, fantastique. Avec des citrouilles dans tous les coins, des couleurs merveilleuses, surtout le soir. Une tenue créée par ZZJ, King Por, vêtements ensorcelants, avec des bas, une petite robe à laisser derrière et un chapeau de sorcière. Et la tour des sorcières qui vient de sortir aujourd'hui, que je vous présenterai tout à l'heure. Voilà, alors la nuit c'est encore plus merveilleux. Je vous montre la vue de Blanche Rive accompagnée d'une musique adéquate, superbement bien choisie. Bon, nous allons visiter la tour des sorcières qui se trouve située en bas au sud de Rivebois. A tout de suite. La situation. Alors voici la tour des sorcières. Je la présente de nuit, je vous présenterai aussi de jour. Alors, un jardinet avec des champignons gigantesques. On va aller à l'intérieur tout de suite. Il n'y a pas besoin de chercher de clé. La porte s'ouvre tout de suite. Voilà, nous y sommes. Petit mais charmant. La pile de livres entassée. Oh, trop mignon. La table de magie, la table d'alchimie. Alors ça, l'escalier est un peu dur à monter. J'ai super saut, ça ira. Non, ça va. Simple et rustique. Ça me convient. Je demande pas la lune. Ça me plaît. Et ma tenue aussi me plaît. Je vous la montre, il existe en plusieurs couleurs. À la tour des sorcières, vue de jour. Là, on se rend un peu mieux compte. C'est très joli avec les fougères et les fleurs. Ça rend très très bien. Bon, pour en revenir à la tenue, il n'y a pas plusieurs couleurs, mais il y a plusieurs perruques. Alors, vous avez des chat, enfin, c'est plutôt d'une panthère, je sais pas si c'est une mini panthère ou un chat. Et des citrouilles à chaque pas de porte. Et bien écoutez, je vous quitte sur cette vidéo. Bien, tiens, un dragon arrive. Je vous quitte, j'espère qu'elle vous aura plu. J'adore ces modes, ils sont pour moi très très réussis. Et je vous dis à bientôt, likez ou abonnez-vous. Au revoir.